Bien sûr, après, ils vont arriver. On mettra de l'amorce. Ouais. Allez, petite partie de pêche avec mon bobo, avec mon fils. Voilà. Donc, on est allé acheter quelques petites, des petits articles de pêche. Puis, ça me fait du bien aussi de venir à la pêche avec lui. Hein. C'est un mordu de la pêche. C'est ce que vous voyez là, c'est Léo. Eh ben, Léo, c'est moi quand j'étais à son âge. Toujours à la pêche, à la pêche, à la pêche. Papa, mais toi, mais bobo, c'est qui? Ah ben, va voir là-bas. C'était ma... là-bas. On va amorcer aussi. Dans un petit coin de pêche, c'est le lac de mon beau-frère. J'ai deux lacs aussi que j'aménagerai comme ça aussi. Avec du poisson pour justement... Et je vais vous parler un peu de ça, juste un petit peu, hein, parce que je ne vais pas vous faire un grand live. Après, je me mettrai en live quand je pêcherai aussi. Mais ce que je dois dire, c'est que pour être autonome, pour être autonome, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger, que ce soit des légumes, que ce soit aussi des poissons, du porc, du poulet, du canard. Donc, c'est dans cet endroit-là qu'on va faire notre... Voilà. Dans cet endroit-là, j'étais en train de regarder Léo. Dans cet endroit-là que justement on va faire notre terrain, on va dire. Léo, 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 Léo. Attention, attention, le bouchon il commence à partir là. Hein? On va mettre dans l'amorce, ils vont vite venir. Hier soir, hier on en a fait deux, on les a de suite mangés. Ton papa, il va te mettre de l'eau après. Au milieu des rizières, on est. Hein. Voilà. Ouvre un petit peu, pas beaucoup, hein, Boubou. Je vais m'y mettre. On va les faire venir, les poissons. On va les faire venir. Donc, bien sûr, on va pêcher pas 50 000 poissons, ça ne sert à rien, pas du tout, à rien du tout. Juste histoire de faire, déjà, d'être avec mon fils, c'est le principal. Comme je faisais avec ma fille Océane, qui venait pêcher avec nous. Hein. Salut la Belgique, salut Sylvana. Toi aussi, tu pêcheras, tiens. Si tu ne sais pas pêcher, on t'apprendra à pêcher. Voilà. Laisse-le, laisse-le, Boubou, laisse-le. Mets-le devant. Là. Monte-le. Eh oui. Oh. Monte, monte, voilà. Allez, vas-y. Allez, lance doucement. Lance doucement. Voilà. Après, papa, il va venir, il va faire tous les poissons. Hein? Il va faire tous les poissons. Le papa Raymond aussi, il va se régaler. Là, là, mets-toi là, Boubou. Vas-y, prends de l'eau. Donc voilà, mes amis, je vais essayer de pêcher moi aussi. Hein, tiens, je vais vous laisser en live. Oui, papa. Dès qu'on fait du poisson, ok, vas-y. Et montre à papa Révol. Oh, enlève-toi de mon sac là. Prends le truc là, mets-toi ici. Mets-toi loin là, mets-toi là, mets-toi là. Bon, ok, mets-toi là, mais tu ne me mets pas à côté de mon sac, il va me mettre de la morceau de partout. Encore, beaucoup un peu. Et ouais, ça va faire moun-moun tout à l'heure, tu vois. Là, on est en train de pétrir, là. Là, on est en fin de soirée, là. Boubou, mets dedans, là, un peu, là. Non? Non, non.
Ah, dis bonjour à Nathalie, Raymond, il va te voir là. Il va te voir, Raymond, là, le pêcheur. Ouais, tu vas être plus fort que papa Raymond, hein? Hein? Bon, je vais pêcher. Je vais laisser le live un petit peu, tiens. Histoire que je vous fasse un poisson devant vous, en direct. Ah, il a peur, Léon. Donc je pose ça là. Voilà. Mets-toi là-bas, Boubou. Mets-toi là-bas. Je suis là. Le seau, il est là. Voilà. Le ver de terre. À droite ou à gauche? Bon, alors, pousse-toi parce que moi je vais de l'autre côté. Allez. Allez, le premier, papa. Papa, non. Papa, non. Oh, la canne, elle est belle, ta canne. Je peux pas vous lire hein, parce que je vais aller devant là. Hein? Vous allez voir un joli bonhomme devant vous, c'est Eri Thailand. Et je vais faire du poisson. Voilà, et tout voilà. Là c'est papa contre le boubou là. Eh oui. Ah, t'as les petits là-bas qui arrivent. Les petits ils arrivent, les gros ils arrivent derrière. Vas-y, mets. Boubou, t'en as un. Vas-y. Viens ici. Mais te mets pas là-bas, il y a la caméra là-bas. Attention la caméra, viens ici de ce côté là. Voilà. Allez. Oui, il est gros celui-là. Et moi,
monte-le, monte-le. Oui. Oh là là. Voilà un catani. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Papa, un, non? Tiens, mets ton verre de terre, mets-le bien. Voilà. Boubou, hein. Voilà, là, là, Boubou, là-haut. On se calme, là. Voilà. Papa, un peu, là. Voilà, il faut un, et papa, à zéro, là. Papa, non, poule. Un à zéro. Après, tu mets du verre, hein, pour vous. Je vais mettre plus de ce côté-là, là. Voilà. Comme ça, vous nous voyez. Ça mord, ça mord. Ah, ah, ça pite, moi, là-bas. Et ça pite. Ah, Boubou, hein. T'as sur la caméra là-bas. Non, mais tu triches, tu mets de la morse sur ton, ta canne. Toi. On met un peu plus d'eau là, Boubou. Nam, attention. Nam, un peu. Boubou, hein. Hier, j'en ai fait deux. Hein. Ah oui, voilà. Voilà, tu mets au bord, là, comme ça, ils viennent vers nous. Et là, je suis en blanc, je ne suis pas bon. Pourtant, vous voyez le plat. Non, c'est devant. Non, non, là-bas, c'est bon. Là-bas. Thank you.
peu sur moi aussi, de la morse. Eh oui, il s'alimente lui, là. Un peu à papa, là-bas, haut. Voilà. Putain, hein. Tu grattes, là. Tu grattes, tu grattes. Ah, le gros, là. Ah, le gros, là. On va baisser le fond. On va baisser le fond, peut-être qu'on est trop profond. Et on pêche au ver de terre, hein. Papa, il connaît, hein. Tu me le dis, hein, s'il y a poisson. Hein. Non, maman. Papa. Catalina. Une surface à faire vite là. Regarde. T'en as une? Raté. Raté. Il va venir, attention beaucoup, hein. Mets-toi bien. Ça touche les jeunes, ça touche. Il y a encore un. Un petit, mais on le rejette, les petits. On se calme là-haut. Toi deux, papa zéro, là. Qu'est-ce qu'il arrive, là? Ah ouais, mais là on voit, voilà, papa vidéo là-bas, on voit que ton dos. Fais vidéo, deux. Oh là là, papa, non, papa. Non, mais mets pas là, mets pas là.
peu. Voilà, t'as compris. Mais non, mets-le dedans. Vas-y, mets-le au milieu. Bobo, non, poule. Oh, Léo. Attends. Ça. De la mort juste devant. C'est un papa. Non, au fond là-bas, tu lances au bord. Là. Vas-y. Je vais déplacer la vidéo parce que sinon vous voyez rien. Voilà. Voilà. Là vous verrez mieux. Voilà mes amis. Je vais déplacer ça. Voilà. Je vais déplacer ça. On déplace tout, voilà. Papa, ah non. Top, Nona. Thank you.
soleil, ils nous voient là. Ah, mangez, mangez là. Ferme-moi, hein, au milieu là, tu mets. Voilà. Là, tu te gardes toi là et papa non. Voilà. Toi deux, papa. Papa zéro. Thank you.
Voilà, vous, vous verrez un peu le vent, hein, le vent dans le micro, mais c'est pas grave. Le principal, c'est... Ah, ah, il en a un beaucoup. Il se prépare, il se prépare. Aujourd'hui, il en a que pour sa canne. Et on pêche au ver de terre. Ouais, au milieu, hein. C'est devant. Hein. Il met de la morse, mais il met de la morse que pour lui là. On est bien là, bébé. Hein? On est bien là. C'est concentré là. Là, il a une touche.
casser la bouche là. Tu as mis le verre de terre dans la pâte. Non. T'as mis dans le verre. Je vais faire comme lui. Papa, il va faire comme toi là. Je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui croient qu'il n'y a pas de touches. Mais s'il y a des touches, je vais vous montrer ça. Voilà son bouchon. Hein. Vous voyez la touche? Ben, remets ton verre là, change de verre.
Et là, il y a plein de poissons qui remontent au bouchon rouge parce qu'ils voient le rouge et ils remontent. Bon, il y a des petits, mais il y a des moyens, des gros. Hein. Franchement, ce régal-là. Allez, tata Michel, elle veut voir le poisson. Ah, il y en a un qui est moi là. Il y en a un qui est en train de me prendre le fil là. Voilà, Eric Thaïlande va pêcher. Oui, eh oui. Il y en a un? Je le vois d'ici, mon bouchon. Ah, Boubou Noy, t'en as un. Ce régal. Bon, on prend que les gros, nous. Hein. En haut là, ils sont en train de nous mettre des chantailles dans la gueule, ces incataniens. On va tous les cramer là.
Non, le chiffon, papa. Papa, on va le remettre dans l'eau, celui-là. On va le laisser grossir. Il est là, il est là. Papa, c'est ça. Il est là, il est là. Tiens, Boubou, mets dedans. Mets dessus, là. Mets dessus. Parce qu'après, pour ça, il s'en est. Voilà. Un. C'était pas un panier, je les rejette. On attend qu'ils soient gros, ceux-là. Merde, là. À la friture ce soir. Du verre là.
Je viens vous lire. Après, je vais faire de la morse pour les faire venir. Bah ouais, lui il va faire le trou du lac. Il va faire le tour du lac. On a déjà fait deux poissons. Voilà. Ah, j'ai la touche. Et ils sont tous... Ah, il me le prend. Ils arrivent. Ils sont là. Eric, Thaïlande, les a vus. Il sait qu'ils existent. Bon, je vais faire de la morse là, parce que vite qu'on fasse du poisson et après on va à la maison. Va. Débrouille-toi, tu te débrouilles. Hein. Papa, il t'a dit de venir, maintenant c'est comme ça qu'on apprend à pêcher. Voilà. Papa a pêché et à te débrouiller un petit peu. Un peu d'amorce. Je me suis fait bouffer. Qu'est-ce qu'on m'a bouffé? C'est le ver. Lequel de ver? C'est le ver. Le ver de terre. On m'a bouffé le ver. C'est qui qui a bouffé mon verre? Allez, on recommence. Je vous ai dit que j'avais eu une touche. Voilà. On va amorcer.
Non, non, papa, il le fait, papa, il le fait. Ben, oui. Là, tu veux le faire, ben, tu le fais, parce que moi, je le fais pas. Ah, t'en as un. T'as pas t'en as un. Thank you.
ว่านูน้ำองโกเด้อPas les paninesVoilà, c'était un moment de pêche avec nous. Il va faire sombre, donc vous n'allez pas à voir. Alors, il y en a qui me disaient, oui, mais il y a beaucoup de petits. Ben oui, il y a beaucoup de petits. En fait, il y a des petits, c'est des moyens. Hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est des gros poissons. Donc, automatiquement, on pêche au gros, quoi. Voilà. On fait en sorte d'avoir un gros hameçon, d'un gros ver de terre. Et ça fait que les petits, bon, ils nous détirent, mais quand on a un gros poisson, ben c'est un panine. Là, il y a plusieurs sortes de poissons dans ce lac, et c'est pour ça que, regardez, il y a des... Voilà, papa Raymond, il va se régaler, là. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que pendant les saisons de pluie, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les poissons, ils se nourrissent, ils n'ont pas faim. Donc c'est pour ça qu'on amorce un petit peu, mais bon, dans les lacs, en général, on en fait des poissons. Après, on ne veut pas faire un massacre, vous avez pu le comprendre. Je reste là une heure, deux heures avec mon fils, je me régale. Voilà, on fait concours de pêche. Puis on est dans la nature. Dans la nature. Voilà, regardez.Ça pite. Bon, il y a beaucoup d'alevins, ce qui est bien, c'est ça. Ah, il y en a un qui...
qui s'excite là. Voilà. Pas besoin de pêcher loin. Hein. Ils viennent au bord. Regardez, regardez, il y en a plein. Dans, avec le, la vidéo, je pense que vous ne voyez pas, mais on les voit, il y en a partout. Hein. Il y a plusieurs sortes de poissons. Le principal, comme je vous dis, regardez, on est dans un cadre bien magnifique avec ce coucher du soleil là-bas, regardez. Voilà, voilà. Et nous d'abord. Voilà, voilà. Lui, il met des cannes un peu de partout. Il met des cannes partout. Eh, boubou, boubou. Ah, ta canne, boubou. T'en as une là? Ah, il te tire là-bas. Ah, tic, 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 tic. Bon, il est temps, dans quelques minutes, on va partir, on va aller au bungalow. On va aller prendre une bonne petite douche et de là, on va descendre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire un bon petit apéro. On va se préparer pour la soirée années 80, ça sera ou vendredi soir ou samedi soir. Vous avez vu que j'ai mis quelques petites recettes parce que j'ai pris avec ma mère, j'ai pris des jambes de porc. Hein. Petit cuisseau de porc complet et on va les faire au four avec des bonnes pommes de terre. On va voir, mais bon, on va le faire un peu comme chez nous, hein. Herbes de Provence, cumin, comme si je faisais un gigot d'agneau. Ça, c'était ma spécialité en France, donc je vais faire exactement pareil. Et on va mettre ça au four et le soir, ben, ça sera les cocktails et la bière, bien entendu. On va voir un peu ce qu'on va faire et bien sûr, on va mettre les années 80. Voilà, c'est comme ça. Ce sera notre petite soirée déjà d'entrée. Vous en ferez plein avec Eric Thailand si vous le souhaitez. Il y en a qui ont pris les soirées années 80. Donc je vous parlerai de ça un peu plus tard. Pour ceux qui ils ont commencé à, on va dire, à prévoir le séjour chez Eric Thailand, cet endroit-là, vous pourrez venir avec moi pour ceux qui n'ont pas pris la pêche, mais qui veulent s'initier ou alors passer une heure ou deux dans ce lac et pêcher ou dans le mien là-bas. Ça sera avec plaisir que je vous amènerai pêcher. Voilà. Si vous faites du poisson, on mangera le poisson. Si vous ne faites pas de poisson, ben vous ne mangerez pas. C'est tout simple. C'est que simplement que Eric Thailand réagit. Voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser. Nathalie, gros bisous. Voilà. Tu comptes les jours maintenant. Et j'allais dire, pour ceux qui ont prévu de venir faire un séjour chez moi, faites vite, les vols vont augmenter. Les vols vont augmenter, question prix, n'attendez pas que ça baisse, ça ne baissera pas. Donc, vous allez vous faire un kibé, voilà. Et je le sais, parce qu'il y a déjà des gens qui attendaient, ils ont pris 200 € dans la tête, en plus. Donc, écoutez-moi, prenez votre vol avec modification, bien entendu, de date, comme ça vous êtes tranquille. Et voilà, voilà, voilà. Mais sinon, allez-y. Par contre, ceux qui ont prévu de venir chez moi et que vous n'avez pas votre vol et que je n'ai pas la confirmation et que vous êtes plusieurs, je vous bougerai un peu pour que les premiers qui m'ont demandé le séjour, ben, qu'ils n'ont pas de vol, ben, je les bougerai. Après, si vous ne pouvez pas, ça sera la deuxième personne qui a demandé le séjour en même temps que vous, ben, qui aura le séjour. Je ne peux pas faire autrement, sinon je refuse des gens et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt, demain une petite excursion, tranquille, on va aller dans un temple des prières et vous allez voir, ça va être super, super beau. Voilà, en espérant qu'il y a du monde aussi qui vienne dans ce temple, comme ça vous verrez les gens faire des prières et des choses comme ça. Je commence à avoir faim. Voilà, ah ben on y va!